Conditions de projection possibles. Et maintenant, c'est bon, tout est OK. On va pouvoir commencer la cérémonie de clôture. Donc, alors, je vais vous présenter un petit peu le déroulé de la soirée. On va d'abord faire les remerciements. Ensuite, on va annoncer les différents prix. Vous allez pouvoir voir les courts-métrages qui vont gagner. Et après, Joseph Kahn nous présentera Detention. Donc, je vais commencer juste tout simplement par remercier le cinéma Gaumont d'avoir fait confiance sur ce festival, qui a été d'ailleurs un succès. Je vous annonce déjà qu'il y a 4600 spectateurs qui sont venus par séance. C'est énorme pour un festival. C'est aussi énormément de gens derrière. C'est donc une équipe technique, c'est-à-dire Étienne, Stéphane, Stéphane et Xavier qui ont bossé comme des malades. C'est Nathalie et Blanche qui ont bossé pour les relations presse énormément, donc on les applaudit. C'est Gérard Cohen qui a été l'initiative de ce festival, qui a entièrement été derrière pour chapeauter tout ça, donc Gérard Cohen, un grand bravo. C'est Arnaud Chapieux et Benjamin Leroy donc, qui ont fait la sélection respectivement des courts-métrages français et internationaux. Karine qui s'est équipée des bénévoles, et donc bien sûr tous nos bénévoles, ils sont partout dans la salle. Ils sont beaux, ils sont jeunes. Gérard Duchossois et Jean-Frédéric Chaleya pour les invités. Isabelle qui n'a pas été remerciée pour la maquette à l'ouverture, je la remercie maintenant. Mathieu Roux aussi. Stéphane pour la régie. Et tous ceux qui ont participé les films et qui ont participé à ce festival de Claude de Loin. Et aussi Frédéric Lebon pour l'affiche qui est juste avec nous. Donc là, c'est ma voix. Maintenant, je vais vous proposer de faire son petit bilan. C'est très bien. Comment passer après Cyril qui est une rockstar comme ça qui... Non, bah, moi je suis super content en fait d'avoir vu autant de spectateurs, j'étais extrêmement surpris, j'étais très content de vous voir tous aussi enthousiastes à chaque projection. J'ai été éminemment heureux de voir le jury tout aussi enthousiaste d'assister à ces projections en avant-première. Et je ne peux que vous remercier, donc merci vraiment du fond du cœur. C'est grâce à vous en fait qu'on est là, et l'année prochaine on essaiera de faire encore mieux, avec plus de films, avec un programme encore plus chargé, avec plus d'invités, enfin voilà. Donc merci vraiment à vous. Merci. Différentes compétitions, différents prix. On va tout de suite s'occuper du prix du public. Donc le public a ovationné et a choisi le film Mask d'Andreas Marshall. Surprised and I'm really great. I'm very happy. It's a beautiful prize and I'm happy to be here, and it was a great screening today. And, well, I'm out of words. Thank you very much. Magnifique, et il était très content de la séance qui s'est très bien déroulée, et il est vraiment, il n'a pas de mots pour exprimer comment il est content. Le prix en fait s'appelle le prix Silver Globe, je sais comment l'appeler, mais c'est un super beau prix. C'est fantastique, voilà. Vous savez que le nom du prix c'est L'œil fantastique, et on doit ces deux à Joachim Krizolik. Krizolik. Donc, avec le prix offert par le jury Ciné+, c'est à la fois un prix pour un court-métrage francophone et un prix pour un long-métrage international. J'appelle sur scène Christophe Comer et Myriam Hassen. Déjà, je vais remettre le petit coup de main.
Merci beaucoup. Je viens d'arriver, je ne sais pas trop quoi dire. Le prix est très joli, lui aussi, apparemment. Merci beaucoup à toute l'équipe. Ok. D'accord, donc je la garde précieusement. Ok. Ok, là, merci beaucoup.
Eh bien, maintenant, le moment tant attendu est arrivé. Je vais appeler les membres du jury international qui vont donc remettre deux prix. Le meilleur long-métrage et le meilleur court-métrage international. Et pour ça, je vais donc appeler Lucile Azalilovic. Roger Avary. Merci à vous quatre, en tout cas, d'être venus. Bonsoir. Les délibérations du jury ont été extrêmement rapides, je peux vous le dire. Non pas que pour nous, il y avait des films qui se détachaient instantanément, mais c'est qu'on avait tous les quatre envie de récompenser des films pour leur originalité plus que pour toute autre chose. Et c'est vrai qu'on s'est mis d'accord assez rapidement. Mais en général, on a trouvé que la sélection était excellente et que tous les films étaient en tout cas très originaux. Et on voudrait féliciter Fausto en tout cas pour ce travail qu'il a fait. C'était une très très belle première édition. Merci. En annonçant le lauréat du meilleur court-métrage international. Donc on a décidé de donner le prix à Execo à deux courts-métrages. Donc le premier, c'est celui qu'on a vu aujourd'hui qui s'appelle Hope, qui est un court-métrage assez incroyable dans lequel personnellement j'ai vu en tout cas le talent d'un metteur en scène qui n'hésite pas à citer Kubrick ou Tarkovsky et en même temps arrive à créer une vraie densité épidermique au niveau de sa mise en scène. Tous les quatre étaient très impressionnés. Et l'autre court-métrage, c'est le court-métrage coréen, rappelez-moi le... The Function. Voilà, The Notion. The Function. Function. Le court-métrage coréen, on l'a trouvé excessivement bien réalisé. Bon, c'est pas une nouveauté. J'imagine que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui suivent le cinéma coréen. C'est un cinéma extrêmement méticuleux, d'une très grande poésie, d'une très grande force évocatrice. Et donc, on était contents de donner, en tout cas, le prix à Execo à ces deux courts-métrages. Merci. Est attribué à... Without exception, it was for us Bellflower. Mais écoutez, si tout le monde ne l'a pas vu, ce qui est possible, pardon, c'est donc le film, c'est cette histoire d'amour qui se passe mal dans une Amérique en déliquescence, qui va pas bien du tout, avec une grosse voiture à la Mad Max, voilà, moi c'est tout le cinéma que j'aime, c'est le genre de film qu'on a envie de sortir, on n'en voit pas beaucoup, c'est dans la lignée à la fois de films de génération, c'est un film de génération, comme Les Gregaraki et Larry Clark, même avant, je parlais tout à l'heure de Macadam à deux voies, de Tête de mort de Barbet Schroeder, des choses comme ça, avec un peu de voiture dedans en plus. Et en même temps, il y a un petit peu de fantastique dedans, cet univers déliquescent, cette photo, pour ceux qui l'ont vu, un peu fin du monde, la grosse voiture, Mad Max, la référence à Mad Max, moi, tout ce film vibré, parce que d'abord, elle la voit assez rarement, donc si c'était quelque chose d'un peu honteux. Et puis voilà, moi, comme les personnages du film, à 13 ans, j'ai gravé des sillons dans la VHS de Mad Max 2, donc... Voilà, et puis il y a un petit côté bouclé, hein. La société est relativement neuve, c'est son premier prix pour un film qu'elle distribue, c'est le premier festival, ça fait des années que j'attends ça, il y avait ce fameux festival dans les années 70-80 et puis plus rien à Paris depuis 30 ans bientôt, c'est génial que ce soit à nouveau là, donc longue vie festival et puis ravi, très très flatté
d'avoir, de recevoir le prix. On en fera part évidemment au metteur en scène là tout de suite, il aura la bonne nouvelle demain matin. Ivan Glaudet, c'est quelqu'un qu'on dit souvent à propos, je crois, de la musique, je crois, des albums rock, qu'un artiste met toute sa vie dans son premier album et puis les deux suivantes dans le deuxième. Là, lui, il a vraiment clairement mis toute sa vie dans ce premier film. Il a fabriqué l'objectif de la caméra, il a fabriqué la voiture, les lance-flammes, il a joué dans le film, il fait le montage, il a participé à la musique, il fait tout. Donc je pense qu'il sera hyper, hyper content que Paris le congratule pour cette première œuvre. Il a brûlé d'envie de voir le film sortir à Paris, donc c'est génial pour lui. Voilà, merci beaucoup. Ok, je vais essayer de résumer un peu quels ont été les sentiments de nous quatre pour donner le prix à ce long métrage. On a trouvé d'abord que c'était très osé l'idée d'imaginer que l'apocalypse, elle est en fait intérieure, elle a déjà commencé dans les personnages, et que ces personnages qui sont baignés dans cette contre-culture sont en quelque sorte déjà sur la voie de leur anéantissement. Ça, on a trouvé que c'était extrêmement fort, extrêmement osé. Et d'autre part, bon après, moi j'ai vécu un an à Los Angeles quand j'ai fait mon tout premier film en 93, et toute l'équipe technique que j'avais, c'était que des mecs comme ça, des mecs, des filles grunge qui baignaient dans cette culture. Le soir, on regardait Zombie de Romero, on regardait Texas Chainsaw Massacre, et on avait cette espèce de romantisme nihiliste délirant qui est parfaitement représenté dans le film. Je sais que Roger, qui vient de Los Angeles, a vécu à Los Angeles, c'est instantanément reconnu aussi dans le film, donc ça aussi, ça a pesé, et je crois que pour Jaoma et pour Lucille, c'était pareil, c'est-à-dire que le point de vue très très étonnant du film a emporté complètement notre adhésion. Et je dis bien, il y a d'autres films qu'on a aimés dans ce festival, mais celui-là, c'est avéré complètement évident. Voilà, j'espère que j'ai bien parlé pour mes collègues, en tout cas, du jury. En tout cas, merci pour la qualité de réception qu'on a eue pendant les différentes projections. Il n'y avait vraiment pas de problème. Je trouvais qu'il y avait toujours dans la salle une vraie tension, une vraie attention vis-à-vis des films. Vous riez au bon moment, vous applaudissez au bon moment. Je trouve ça extraordinaire parce qu'il n'y avait pas de second degré mal placé. Et je trouve que vous avez été vraiment un public formidable, vraiment formidable. Et nous allons donc diffuser les deux courts-métrages internationaux privés.